c'est bon, les gars. Voilà, salut, les mecs, salut, les bolosses. Voilà, c'est le micro qui s'était désactivé. Est-ce que c'est bon, les gars? Voilà, salut, mon Arty. Salut, mon Gianni, c'est bon? Salut, Loïc. Salut, Kikamal. Salut, Nigel. Voilà, on est dans le salon, stream dans le salon. Salut, mon Lowin. Croatoine, Nijempo. Comment que ça va, les gars? Ouais, voilà, c'est OK. Donc, j'ai pas lancé le jeu. Enfin, je l'ai juste... Là, c'est la première fois que je le mets. Donc là, j'ai le choix entre mode standard, une espèce de mode moderne, et mode défi. Mode défi, c'est le jeu tel qu'il est sur Super Famicom, apparemment. Salut, mon Iceman, Mathias Ridic. Voilà, je vous lis avec le téléphone, puisque chez Xbox, c'est vraiment des bolosses. On n'est pas capable de faire afficher le chat sur le côté comme sur PlayStation. Arty, j'étais sur Battletoads 2020, il y a des défauts quand même, ouais. Premier défaut, la direction artistique, hein, elle est dégueulasse, quoi. Salut, GP11. Le jeu en lui-même, il est pas mal, hein. Moi, je l'ai fini, le Battletoad, là, ça va, il passe, mais oh putain, t'as pas envie d'y revenir tellement le jeu est dégueulasse, quoi. Alors, regardez, j'ai ma stock. Je sais pas si vous allez la voir, là, j'ai ma stock sur moi, là. Hop, la ma stock. Dis bonjour, ma stock. Hein? Où la ma stock? Où elle fait un gros ronron, la ma stock? Alors, voilà. Vous pouvez pas faire une compile tant qu'à faire, eh ben, a priori, non. Hein. A priori, non. Donc du coup, alors Cotton, donc voilà, c'est un petit shoot, hein, vu de côté, on est une petite sorcière sur un balai. Le seul jeu Cotton que je possède, moi, bah, c'est le Cotton sur Neo Geo Pocket, les mecs. Sinon, dans un style similaire, hein, j'ai le Kayo Flying Squadron sur Mega CD. Salut, moi, Alf, salut, Dark Twins. Voilà, oh, merci, moi, Alf, pour les abonnements, parce que là, je les vois, voilà. Et les gars, merci à vous hier, hein, pour ceux qui ont renouvelé leur sub, qui ont offert des abonnements et tout. Désolé, j'ai pas vu. Parce que sur StreamYard, il met pas de notif. Donc merci à tous les mecs. Hein. Bon, là, je suis sur le téléphone. Donc là, je vois. Merci. Mon Alf, Cotton version Dreamcast, j'ai connu en émulation. Ah, je le connais pas, moi. Sur Dreamcast. Donc moi, les petits shoots, sorcière sur un balai. Donc Cotton sur Neo Pocket, ça, je connais. Le Kayo sur Mega CD. Après, je suis pas très fan. Mais bon, on verra. Majin Tetsuo, salut, comment tu vas? Salut, Timax. Voilà, prenez le temps d'arriver, les mecs. On va se mettre en mode standard, donc vous voyez, choisissez ce mode si tu veux explorer le jeu avec des adaptations modernes. Les fonctions suivantes peuvent être utilisées dans ce mode, rembobinage, sauvegarde, cheat, bon, voilà. Il a pas l'air ouf sur Dreamcast, ouais, bah j'ai pas d'avis, hein, j'y ai pas joué. Salut, mon Seb. Cotton a été fait au Mississippi. Mon Ridic, voilà, dans la Nouvelle-Orléans. Bon, bah on va prendre standard, attends, je vais baisser un peu le son. Voilà, j'ai mis le casque devant moi, j'aime pas trop jouer au casque. Alors, voilà, donc moi je l'ai pas connu, hein, sur Super Famicom, les mecs. Salut Waryoshi. Attends, c'est Waroni, excuse-moi, salut Waroni. Mon Fixo. Salut, mon Fixo. J'ai regardé ta vidéo hier, on était au resto avec Nina. On s'est bouffé une putain de pizza, là. Voilà. Salut, moi Harold, on a fêté la fin du ramadan en allant au resto. Salut, c'est Bicheur, comment que ça va? On va faire un tour d'émotion. J'avais joué au Cotton Mega Drive qui est très bien de mémoire. Alors, je vous en ai fait un gameplay, moi. Le Cotton Mega Drive, je vous en ai fait un gameplay. Donc, je sortirai plus tard sur la chaîne. Alors, salut Yann, comment que tu vas? J'ai l'original sur PS1, le 2 sur Saturn, ouais. D'accord, Gianni, ouais. Panorama sur un Mega Drive, reboot sur Switch. D'accord. Alors, donc démarrer, option, charger les soldats. Bon, on va faire un petit tour d'émotion. Commande, alors. Tire avec le X, le A, la bombe, magie, le B, d'accord. Rembobiner avec LB. Très bien. Sexuelle magie Y, ok. Bon, on va rester là-dessus. Hein. Cotton, c'est pas PC Engine à la base. Je sais pas, Julien. Weekend, Mouridic, c'est cool. Voilà, bah demain, il y aura le live YouTube, hein, comme prévu. Grâce à StreamYard, on va pouvoir faire ça à peu près propre. Salut Pierre Leloute. Donc ça sera versus live, les mecs, hein. Mickey Castle of Illusion, Mega Drive Master System. Quelle est votre version préférée? Ça sera à vous de décider. Les cheats, alors, déverrouiller de cheat en battant le jeu en mode défi. D'accord, très bien. Bon, bah, les gars, c'est parti, hein. Alors, pendant le jeu, vous pouvez entrer dans le menu des options en appuyant sur l'équivalent du start. Ça met également le jeu en pause. Ok, très bien. Voilà. Ah, mais non, c'est le select. Voilà, l'équivalent du select. Très bien. Je l'ai sur PC Engine en émule, ça se peut. D'accord. Salut, Nana. Jamais joué, mais en tout cas, hein, sur PC Engine. Ok, alors, vous connaissez bien le style de voix un peu étouffé de la Super Famicom. Je pensais que tu aurais eu un mode
finalement. Alors config, mais il veut pas y aller. D'accord, crédit 3. Bon, alors déjà ça commence bien. Start, voilà, ok. Ah, fallait peut-être j'appuie sur start, voilà, ok. Alors, qui c'est qui le connaît, les gars? Salut Greg, comment tu vas? Alors, le son du jeu, un peu trop fort par rapport à ta voix. Alors, attends. Alors, attends, mon Julien, je vais voir si je peux faire quelque chose. Alors, voilà, volume du jeu. Voilà, j'ai baissé. Voilà, c'est bon, j'ai baissé, là. Voilà, dites-moi si c'est mieux, les gars. Alors, Cool Cotton test, je voulais le prendre, mais j'ai hésité. Bah, écoute, Nada, on va voir, hein. C'est bon, là, c'est mieux, là. Nickel, je vais baisser un peu le son, mon petit débat. Voilà, comme ça, je l'entends, mais pas trop fort. C'est celui que j'ai sur ma Stealth Mini, très bien. Bah, c'est cool, les gars. Ils sont OK, c'est cool. Alors, vous êtes combien, là? Parce que là, sur mon téléphone, c'est marqué, vous êtes 43. Ouais, ça va peut-être monter. Alors, le Dragon, Fairy, Fire Fairy, Fire Dragon, Double, Thunder, Winkle Star, ok. 57? Ah, c'est cool. Ça, c'est marqué 43 chez moi. Bon, bah, c'est bien, les gars. Choisis un type de magie. Bon, bah, c'est parti. Je découvre, hein. Voilà, je sais que ça existe sur Super Famicom, mais j'y ai jamais joué, les gars. Putain, il a assez long traduit, je vais dire, ils l'ont pas traduit. Salut Golgoth, comment tu vas? Salut Limonet, comment tu vas? Bon, bah, c'est bien, regardez, ça a été traduit en français. Les Willows qui émanent de cette plante, très bien. Ouais, Viron, la Mechtok. Elle est contente d'être sur mes bêtes, la Mechtok. Hein? A voler l'énergie des fleurs, très bien. Salut mon Clément! Bon, alors attends, j'ai les chats qui foutent le bordel. Allez, dégage, dis tout, dégage. Y a 10 jeux contrats pour 4€, je vais craquer, je pense, là. Hein, pour la collection? Bah, Nana, si t'as plus de vieilles consoles, et que tu joues sur console moderne, la contrat collection, ça va. Hein. Autumn, Fantastic Nightmare, PC Engine. D'accord, moi, Alf, ok. Bon, allez, on va passer ça. Alors, ok, très bien. Donc, bah voilà, c'est bon. Je peux jouer avec la croix de direction, l'analogique aussi. Voilà, très bien. On constate que... Ah si, il y a des diagonales. Voilà, c'est un petit peu raide, hein, quand même. Alors, le principe de Cotton, voilà, c'est les ennemis drop des espèces de... Voilà, de petits diamants. On peut tirer dessus pour qu'ils changent de couleur. Voilà, le rewind avec LV. Très bien. Je sais pas combien de temps il dure, hein. Si ça se finit en 30 minutes, une heure, j'en ai aucune idée, les gars. C'est joli, on dirait du Paronus, ouais, ouais. Un petit peu plus... Ouais, toi, un petit peu plus vers le mauve, hein, les teintes de couleur. Alors, bah, les boîtes sont un peu étouffées. Merde, alors attends. Voilà, on va rembobiner. Donc, ce que le X. Voilà, le X pour tirer devant. Je parle en bouton manette Xbox, hein, les gars. Et donc, le A pour envoyer les bombes au sol. Très bien. Ah, je sais pas, les couleurs sont cheloues, je trouve. Ouais. Les couleurs sont un peu cheloues. Alors, là c'est bon, je le touche là. Ok. Ah bah c'est bon. Voilà, premier boss qui était pas furieux. Déjà le boss, ouais. Donc, je vais faire pause les gars pour vous lire. Faut récupérer cristaux jaunes pour expé ta barre en bas. D'accord mon Yann, ouais. Alors. Alors qu'est-ce qu'il a fait là? Voilà, est-ce qu'il a mis l'écran en sombre? Voilà, c'est bon, je vous reprends les gars. Ah ouais putain, il perd pas de temps à se mettre en veille, hein. Allez, go, continuons. Bon, on va voir, parce que je pense qu'avec le rewind, on va le finir, je pense. En tout cas, au niveau du son, là, on voit bien. Merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, rewind. On voit bien qu'on est sur SNES. C'est un laser, ouais, c'est un laser qui tire. Alors, CryptoCœur, j'ai envie de plateforme action. Là, je connais pas. J'ai mis la caméra en bas à gauche les gars, ça va, ça gêne pas le jeu trop, ça va, normalement c'est assez lisible, hein. Parce que vous voyez le jeu il est en 4 tiers. Ah, est-ce qu'il y a des options d'ailleurs, attends, fais voir select, est-ce que genre il y a des filtres CRT ou, alors attends, vidéo tiens justement, d'accord, donc 4 tiers, 1 tiers, voilà, pixel perfect, plein écran, ouais bon on va pas mettre en plein écran, shaders, ah bah voilà tiens, alors, le Contra Hard Corps, c'est... attends, bouge pas. Contra Hard Corps, c'est les trois versions dans le Anniversary Collection. Ah, je sais pas, Azuka.
Normalement, il y a toutes les versions. Enfin, il y aura au moins US et Jap. Hein. Je crois, en fait, il y a US et Jap et ils ont mis Probotector à part. De mémoire. Moi, j'ai fumé tous les Parodius. Alors, attends. Sur Snake, j'ai surkiffé ce jeu, surtout avec un perso dont le bouclier est une capote, ouais. Alors, nos violences. Alors, attends, les styles de Shader, voilà, ok. CRT. Ok. Ah bah, regardez, les gars, franchement. D'accord. Eh, les gars, regardez, on peut vraiment customiser on peut customiser les scanlines comme on veut, hein. Netteté, ah, franchement, c'est précis, hein. Le gamma, d'accord. Ouais, même moi là, franchement, là, alors attends, je vais mettre note. On va laisser le jeu sans filtre. Mais voyez, les gars, on peut mettre les mains dans le cambouis, hein. Il manque juste Super Protector Pal de mémoire et Probotector Pal NES, d'accord, c'est Bichard. Je me souviens plus, hein, puis je l'ai plus d'installer là. On aurait pu vérifier sinon après. Alors, procédons sur ce petit cotonne. Ça va la qualité de son et d'image, les gars, c'est pas trop. Merde, c'est pas trop dégueulasse. Le jeu est pas 100% net, déçu, ouais. Voilà, le Grey est. Et ses blagues douteuses, hein. Alors, procédons. Ok. Ça démarre assez tranquille. Ah, y'a Shkuta qui monte sur la table là. Ok. Ça va, le micro qui est pas ouf quoi, ouais. Ouais, bah c'est le micro de mon casque, hein. Ouais. Donc on va faire avec, les gars. Pas fan de la musique du jeu en vrai, ouais. J'ai trouvé le Cotton Fantasy en cash, ça a été listé pour 20 balles sur PS4, ouais. Je sais pas si. Ah bah non, c'est pas celui-là, hein. Ok, un autre boss là, les gars. Alors. Il manque ton ordi, revienne, ouais. Bah, lundi matin, première heure, hein. Lundi matin, première heure, je vais l'emmener à réparer. En espérant que ça soit fait dans la journée. Voilà les gars. Bon, en attendant, voilà, on peut streamer, on peut faire quelque chose. C'est mieux que rien, les mecs. Bon, bah, ça va, ce boss là est pas très furieux. Bah, sur l'ordi, c'est plus propre, parce que je range la Xbox sur le boîtier de capture. Au bled, il te ressuscite tout. Ah, bah oui. Ici, il y a la culture du on répare, quoi. Salut, Onimusha. Donc, ça va. Ah, alors attends, voilà, faut tout ramasser là. C'est comme sur Neo Pocket, hein, c'est. Là, je reconnais bien Cotton, là. Enfin, dans le style et l'esprit, hein. Voilà, ok. Mais ouais, normalement, ça va vite devenir Cotton après, hein. Ça vaut pas la vidéo téléphone de GHM. Putain, bah là, c'était un autre âge, ça. C'était un autre âge, ça. Alors, ok, très bien. Ah, succès. Ok, 30G. Terminé le niveau. Très bien. Bon, allez, on va passer le scénar, on s'en fout. Ok. J'aime beaucoup. Tu joues sur quel support? Bah là, c'est le Cotton 100%. Donc, Onimusha, c'est celui de la Super Famicom. Et là, je suis sur Xbox. Donc, tu vois, il est ressorti sur console moderne. C'est le même jeu, hein. Tu vois, il n'y a pas de refonte graphique ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment limite un émulateur et basta quoi. Je n'ai pas réussi à récupérer le diamant là. Donc là je découvre, hein, parce que j'ai jamais joué, les gars. Ok. En tout cas, j'ai regardé le replay d'Astalon vite fait, c'est pas mal, hein. Franchement, niveau qualité, ça va, hein, même en 480p. L'image était quand même pas mal propre, le son ça va, ça passe. Ça va, c'est pas du stream archi dégueulasse quand même, ça va les gars. Le pire c'est Pixel Remaster à GTA 100 balles, ouais. Ils sont 250 maintenant, oh putain. Il est sympa ce Cotton, ouais. Bah moi je le connais pas, hein, donc là je le découvre, les gars. Ah là avec le rewind, là, je pense qu'on va vite le torcher. Il sert peut-être une run normale après, on va voir. Le mode défi là, comme ils disent. Bon, pour le moment c'est moins dur sur Neo Pocket. Neo Pocket, le premier niveau, ça va, mais après ça commence à piquer quand même. 30G encore. Obtenez plus de 65 816 points. Putain, c'est précis. Alors, moi
sur ma scène, je l'ai mis en plein écran, t'es bah, super bien, quoi, c'est cool. Ah merde, j'ai voulu, alors attends. Bah grâce au rewind, hein, on va faire un one life, hein. C'est deux fois le diamant, voilà, ok, très bien. C'est un peu confus, je trouve, les couleurs. Les limites, j'ai... Attends, je vois, c'est vrai, je veux pas le dire. J'ai presque envie de dire, on dirait presque un jeu Media Drive. Au niveau de la couleur, les gars, qu'est-ce que vous en pensez, là? Parce que d'habitude, les jeux SNES, c'est vraiment très chatoyant, très pastel. Et là, justement, on a pas cette sensation, on a vraiment... Je trouve que graphiquement, c'est un peu terne, justement. Ça vient du choix de couleur, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Alors, je vois, putain, je suis en train de vous lire, les mecs. Ah, attends, je vais rewind. Voilà, attends, je vais faire pause pour vous lire. Alors, les rewind déchirent l'oreille. Ah bah ouais, bah c'est quand elle fait son petit cri, ouais. Alors, oui, oui, hein, les gars, oui, sur Eternal Game, samedi, hein, vous avez le concours. Hein. Donc demain, c'est à 19h, je crois. Le concours F-099 en live. Non, le pire, c'est Coton Mega Rêve qui se vend entre 1000 et 2000 balles. Ouais, il existe quand même celui-là, là. Le panorama Coton, je crois, hein, c'est ça. Hein. Il me semble, là, j'ai préparé une vidéo de gameplay, là. C'est celui qui est vu de derrière, là. Techniquement, il est impressionnant, hein, pour de la... Il est impressionnant pour de la Mega Drive. Même là, je trouve, regardez, les ennemis sont pas grand-chose. C'est pas bien animé, regardez, là. Regardez en bas comment ils arrivent, ils glissent. C'est un peu chelou, je trouve. Ouais, la réale de Scotton, elle est un peu chelou, je trouve. Oh, Benjamin, mais comment ça va? Ouais, ça, c'est OK. Alors... Ma deuxième boss, les gars, là... C'est vrai que pour le moment, j'ai pas trop pensé à utiliser mon... J'ai la magie aussi, attends. Voilà. Avec le B. Voilà, là, il est trop cher. Il date de quand, les gars? Attends, il va... Ken, là... Attends, on va essayer de sauter par-dessus, là. Enfin, de sauter. Voler par-dessus, plutôt. Date de quand? Parce que la réal, je trouve qu'elle est un peu... ça fait vraiment vieillot, je trouve. Une réalisation, là. Enfin, pour une Super NES, hein, je parle. 94! Putain, c'est chaud. Et les gars, niveau réal, on dirait un jeu de 92, hein, franchement. Et encore, hein. Et encore, je suis gentil, hein. L'animation est assez sommaire, je trouve. Les couleurs, c'est un peu... Ouais, on a presque pas l'impression d'être sur une SNES. Alors, les gars, pour y a pas de robot... Ah non, bah non, ni Gempo, non. Non, non, ça, c'est les conforts. Jeu moderne. Les gars, est-ce qu'il y en a qui ont joué sur... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à ce jeu-là? Alors, sur le jeu original ou bien sur émulateur. Confirmez-moi que c'est vraiment le même. Le jeu est très facile, sauf le boss de fin 100% abusé. D'accord. Bon, on va voir ça, les gars. Ah ouais. Non, non, je confirme, hein, il est pas sorti... non, non, il est pas sorti en Europe. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu, hein. Moi, à ma connaissance, ce petit Coton, c'est exclu Super Famicom, les gars. Même en US, hein, c'est pas sorti. Hein. Voilà, j'ai les bombes là. Je sais pas si je peux faire les... Non, mais regarde-moi ce connard. T'es tout, dégage de la télé, putain, ce connard. Putain, mais ce gros con, hein. Attendez, les gars, faut que je mette pause là, parce qu'il y a ce connard de chat là, il s'est fou... Il s'est mis devant l'écran, ce con là. Putain. Oh là là, j'ai eu de la chance quand. C'est vraiment un connard. J'ai eu de la chance qu'en sautant, il bousille pas le fil de la caméra. Vite fait, celui-là, ouais. Alors, attends. Ok. La zik est pas adaptée au niveau, ouais. Alors, bon, voyons voir ça, les gars. Reprenons. Voilà, très bien. Alors, attends, donc... Ok, donc si je maintiens le A enfoncé... Ah ouais, d'accord. Ça me permet d'envoyer... Attends. Ça me permet d'envoyer l'effet, d'accord. Parce qu'en fait, donc, il y a un auto-fire sur le X, hein, sur le tir principal. Mais ça, on l'a déjà vu, ce passage, là. C'est quoi, c'est du recyclage, ça? Mais le A, pour envoyer les petites bombes au sol, il n'y a pas d'auto-fire. Voilà, si je laisse mon doigt appuyer dessus, ça va charger les petites fées, là. Ah, c'est pas ouf, hein. Putain, mais même le pixel art, regardez, c'est assez fouillis, je trouve. Déjà qu'il va nous faire une jouée star, hein. Je sais pas, d'un point de vue réel, je trouve pas ouf. En tout
ça, pour le moment, c'est plus facile que sur NeoPocket. Parce que sur NeoPocket, il pique assez rapidement quand même. Merde. Voilà, merci Rewind. Oh merde. Ok, alors, on va charger des petites fées là, voilà. Ok, voilà, c'est bon, j'ai balancé avec magie. Ils ont tout misé sur le perso, ouais, ouais. Ça vaut pas à Stallone. À Stallone, je l'ai fini tout à l'heure. Mais putain, il est toujours aussi bon. Et j'ai même fait le boss rush. Je suis à 100% d'items et 99% sur la map. Je suis en train de chercher le petit coin de map qui me manque. Bon, en tout cas, voilà. Stream culture vidéoludique. Hein, ça me permet de voir Coton sur les autres supports ce que ça donne. Je suis pas très fan hein, des shoots avec. Voilà, sorcière sur balai. Même le KO sur Mega CD, hein. Je suis pas très très fan. Alors, procédons les gars. Ok, alors. Merde! C'est pareil, regarde, les lignes. C'est pas possible, attends, regarde. Il passe à travers le décor, il fait n'importe quoi. Il est vraiment chelou, je les gars. Ça, ouais. Style shoot Harry Potter. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le... Merde! C'est le Quidditch avant l'heure? Non, il y a une vie là-haut! Enfin, je crois que c'est une vie. Ouais, franchement, les... ouais, le jeu est moche. Franchement, c'est moche. Putain, faudrait trouver dans les. Je sais pas si le Joypad l'a testé là. Et combien ils ont mis en graphisme? Je trouve pas ça ouf. Hein. Et voilà. Voilà. C'est les chats, hein. Les gars, c'est les chats, pas de panique. Hein. Voilà, ils foutent le bordel. Je l'ai vu venir ça, mais je l'ai vu venir. Ok, alors est-ce que vous me voyez toujours les mecs? Est-ce que ça marche? Bah oui, ils courent comme des dératés, c'est con là. Voilà, ok, heureusement qu'ils ont pas fait tomber la console, ces connards. Voilà. Alors, salut gros clodo. Alors, oui, ça te dit un magazine de 64, je pourrais te l'envoyer, je l'ai trouvé dans la collection. Ah bah gros clodo, vas-y, y'a pas de problème. Voilà, fais-moi un petit message, je te filerai mon adresse. Et voilà. Ah mais non, mais c'est putain de connard de chat là. Attendez, je vais fermer la porte. Du moins, leur mettre un ralentisseur assez con là. Putain. Voilà. Voilà. Ah putain. Voilà, voilà pourquoi les chats sont pas autorisés dans ma salle de jeu. Tu me vois plus, c'est ça? Alors attends, qui c'est qui a offert un abonnement, les gars là? Oh putain, attends, j'ai pas vu là. Ah, c'est moi, Harold. Yes, merci, moi, Harold. Ça fait plaisir. Allez, on va reprendre, les gars. Ok, let's go. Alors attends, j'ai mouru ou quoi là? Ouais, ok, bon bah là, ouais, est-ce qu'il rewind la pause aussi? Bon bah tant pis, on va perdre une vie. Bah oui, avec ce petit accident là. Ah bah c'est les aléas du direct. Alors attends, voilà, on va essayer de recadrer ça à peu près bien. Voilà, ok, bon. Alors, salut Nikuman! Tu trembouilles avec Crash. Ouais, les chats foutent le bordel. Les chats, c'est sacré, ouais. Putain, quelle bande de petits connards. Bon, ok, alors, procédons, là. Après, on mettra le jeu original, avec sans le rewind et tout, là. Comparer un petit peu, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est dur de se concentrer, avec ces connards de chats, puis le chat à côté, les gars. Ok, alors, bouge pas. Voilà, ok, alors, d'accord, il est là. Je sais pas si les boules me touchent là. Ok. Et il est déjà à poil là. Alors attends, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, je le touche toujours. Merde, j'ai voulu passer derrière. Allez, un petit coup de rewind. Voilà, ok. C'est chaud là. Comment, là, t'as fait faire comment, là. 70, c'est cool, les gars. Alors, Nijempo, tu fais réparer quand, du coup, ton PC est trop stylé? Ben, je l'emmène lundi matin, là. Parce que, là, c'était l'Aïd, la fin du Ramadan, l'Aïd au bled, tout était fermé, c'est le bordel. J'ai été au magasin d'informatique mardi. La nana m'a dit, le technicien, il est en vacances toute la semaine, il revient lundi. Bon, ben, je vous ramène le PC lundi. Donc, lundi matin, première heure, hein. Du coup, je vais emmener mon PC et mon Mac, parce que même mon Mac, il est en panne. C'est génial. Il veut plus s'allumer.
Alors que je l'ai mis deux jours avant, là, il marchait. Voilà, il marchait bien. Donc les gars, c'est la semaine où les ordinateurs ont décidé de faire chier. Donc j'espère, voilà, c'est bon, j'ai. Bon bah j'espère que ça sera pas trop grave pour le PC. Que je vais pouvoir récupérer mon Windows, que j'avais une vidéo qui était montée déjà, là j'ai plus qu'à l'exporter. Donc ça me ferait chier de la perdre. Et puis j'espère que lundi il aura le temps, puis qu'il va pouvoir faire ça dans la journée quoi. Voilà, comme ça je le récupère lundi, puis voilà, les choses redeviennent normales les gars. Alors, semaine de tous les dangers, c'est ça, ouais. Alors, salut mon Guibrouche. Mais c'est le Mac, la loi des séries, c'est ça. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. C'est, voilà, et puis bon, évidemment, faut que ça tombe pendant que tout est fermé. Enfin, tu sais, c'est comme chez nous à Noël en France, hein, c'est la même, les gars. Genre, tu vois, t'as ton PC qui tombe en rade le 24 décembre au soir, quoi. Voilà. Donc la semaine entre les fêtes, t'es baisé parce que, voilà, y'a plus personne, personne travaille, enfin, voilà, quoi. C'est reparti pour 700 vidéos. Ouais, voilà, c'est un peu ça, mon Harold. Bon, non, mais c'est vrai que le PC, je le ménage pas. Hein. Le PC, je le ménage pas, les gars. Hein. C'est quand même assez hardcore pour lui. Hein. Je veux dire, on va bien le reconnaître. Hein. Il est très sollicité, le PC. Alors. Ouais, je joue à la croix d'habilité. J'aime bien jouer à l'analogique. Merde. Et là, je sais pas, je trouve que la croix, c'est un peu plus précis. Le rewind, merde. Ah, attends, faut que je déblaye ces petits connards là-bas, là, au sol. Là. Bah, les shoots, c'est toujours dur à streamer. Hein, parce que là, c'est très dur de rester concentré, les gars. Alors, procédons. Bah, de toute façon, quand le PC va être réparé, on va pouvoir refaire. Puis en plus, j'ai des colis qui arrivent. Hein. Les gars, j'ai des colis qui arrivent, hein, donc. Avec du bol, il devrait arriver peut-être fin de semaine prochaine. Donc on pourra faire un débat live. J'ai un colis de jeu 64, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Ma mère, elle a pris les jeux au pif, elle les a mis dedans. Donc on va déballer ça en live, les gars. Donc déjà, il y aura ça. Et après, voilà, on pourra refaire nos sessions de console. Merde. Voilà, sur le hardware d'origine, tout ça. Refaire une petite session PS2 avec le câble U aussi, pourquoi pas. Merde. Là. Voilà, on va se remettre bien là. Dès que le PC va être réparé, on va se remettre bien les gars. Alors attends, je vais essayer de charger les. Voilà. Ok, elles vont tout droit les. Qu'est-ce qu'il fait? Mais franchement, le jeu est dégueulasse. Hein. Franchement, graphiquement, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Là, je vais vous le montrer là, le sauteur de trouble, les gars. Viens là, toi. Hein? Regardez-moi ce gros enculé là. Regardez-moi ce gros enculé, les mecs. Hein, Titou, là? Hein? T'as, à cause de ce fils de pute, là. Vas-y, là. À cause de ce fils de pute, là, j'ai été obligé de démonter toutes les poignées de portes de l'appart. Donc, au lieu de faire des poignées de portes, ils sont à la... J'ai mis toutes les poignées à la verticale, comme ça. Parce que ce connard, là, il saute sur les poignées de portes, il ouvre les portes, ce con, là. Putain! Et même, les mecs, les poignées de portes à l'horizontale, comme ça. Enfin, à la verticale, comme ça. Donc, tu les ouvres comme ça, tu vois. Ce connard. Non mais les gars, ce connard, je l'ai grillé, il sautait, il s'accroche sur la poignée. Les mecs, je sais pas comment il branle. Il saute, il se met sur la poignée, ce connard là. Et puis avec ses pattes, il sait comment que ça s'ouvre en plus. Le pire, espèce d'enculé, là, dégage, allez. Voilà, c'est lui qui a fait tomber la caméra là. C'est comme les raptors, mais c'est pareil. C'est pareil ces bichards, c'est un raptor à la maison là. Les gars, je suis farci avec un connard comme lui. Putain, c'est Nina, là, tu vois. Elle l'a trouvé trop mis en bas de chez nous, là, elle était je sais pas, quelqu'un venait de le jeter, je sais pas quoi, là. Du coup, elle a eu pitié, Mais chérie, on peut le garder. Putain, si j'avais su, bordel. Cette espèce de gros enculé, là. Bon, alors, dégage, les tueurs. Oh, merde. Ah, attends, je vais voir pour faire un peu de magie, là. Voilà, ok, très bien. Alors, pendant qu'il y a la magie, je peux pas tirer. Et je l'ai eu. Voilà, ok, très bien. Ils ouvrent toujours le frigo, les salopards. Ouais. Bah ouais, mais ça y est, ce que la femme à Biggie m'a filé, vous savez, une protection. Une protection enfant, les gars. Là. Oh merde, je tournais la caméra. Voilà. Elle
Elle m'a filé, vous savez, une protection qu'on met sur les tiroirs, les commodes, tout ça, pour pas que les gosses y frôlent. Donc j'ai foutu ça sur mon frigo, puis bah ça y est, elle est niquée. J'aime les chats, mais certains abusent. Ah bah viens chez moi, Pierre Leloup, tu vois, c'est des sauvages, quoi. Des sauvages. On râle, mais malgré tout, on les aime, bien sûr, bah évidemment. Bon, bah tiens, j'ai une bidule, là. Viens, bidule. Et viens, bidule. Ça c'est Pep. Voilà. T'as, vous l'avez vu dans des vieilles vidéos, il était tout petit. Il était tout petit le Pep. Hein. Puis là il vient d'avoir 6 ans là. Voilà. Moi aussi je vais jouer à la logique en ce moment. Je joue quasiment plus qu'à la croix, ouais. Bah après moi ça dépend des. Là tu vois je suis sur la logique là. Ça dépend des jeux hein. C'est vrai qu'en général les shoots. Tu vois je mets un shoot comme ça. Super Nintendo Mega Drive. Ça me dérange pas d'y jouer à la logique. Des jeux par exemple genre Zelda 3, l'analogique c'est pratique quand même. Après tiens voilà, là je passe sur la 3 là. Ah voilà, je peux jouer avec les deux, y a pas de problème. Alors j'en prends plus quand ils partent, je suis trop deg, ouais. Ah bah ouais, bah ça fait mal hein. Ça évidemment hein, moi, mais bon c'est la vie hein. Alors les chiens c'est pareil hein, t'façon. Ouais bah c'est vraiment pas ouf graphiquement. Mais c'est putain, c'est vraiment pas la crème des choses sur Super NES hein. Putain, en 94 on avait quand même vachement mieux. Alors Zelda à l'analogique, ouais. Bah t'essaieras nana, tu mets Zelda 3 sur émulateur avec une manette PlayStation ou Xbox, tu mets à l'analogique, tu vas voir, c'est super souple à jouer. Enfin, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Alors j'aime bien, ouais, j'aime bien y jouer aussi avec la manette Super NES, hein, bien évidemment. Alors, voilà, on dégomme pour Zelda. Très bien. Alors, moi j'ai pas de chat, il y a un charron qu'on m'a donné à manger qui squatte le jardin. Alors attends. La chatte ta voisine qui vient parce qu'elle en a marre des gosses de ses voisins, ouais. Ah mais le problème toi quand t'as un chat en extérieur, après bah tu peux se barrer, il peut avoir un accident. Ah ça y est, elle a changé sa tête en crâne. Est-ce que je peux toucher le crâne? Attends. Ah merde! Je vais me poser là. Voilà, ok. Ouais, merci Rewind, hein, putain. Ah putain. J'ai eu un mauvais réflexe là. Voilà, c'est bon, je l'ai. Le crâne, bah oui, c'est pareil. C'est cheap. Alors, Mister Franker, ouais, quand tu mentionnes Dragon Rider, ouais. Vas-tu en faire une vidéo prochainement, ouais. Bon, putain, alors j'y avais joué à l'époque. Vidéo, je sais pas, parce que putain, il est vraiment. Il est assez austère. Hein. Ça fait vraiment jeu PC, la jouabilité était à chier. Elle était à chier, je me souviens que ça se passait pas mal dans une caverne. C'était pas ouf, hein. Franchement, Dragon Rider était pas ouf. Ça faisait jeu PC mal branlé, retranscrit tel quel sur Dreamcast. Faudrait que je lui remette une chance un jour. Peut-être on fera, tu sais, un. Je vais brancher la Dreamcast sur. Sur le. L'OSSC, puis on se refera une petite session de jeu. Dreamcast, on le remettra peut-être. À ce moment-là pour voir. Thunder Force 4, Mega Drive, c'est le must, ouais. Ah bah ouais. Le 3 et le 4, hein. Mon chat, tu peux pas le contrôler qu'une manette. Putain, ça serait trop bien, Nicuban. Sorry White, ça doit être chaud, ouais. Bah tu m'étonnes, dit Jempo, ouais. Là je carotte un peu, hein. C'est vraiment pour. C'est vraiment pour découvrir le jeu. Alors, ah y'a Alf qui est parti. Ouais, donc bisous à toi mon Alf. Alors, ok. Ok, bon, c'est bon, pas. Alors, ok. Ah, bon, je sais pas ce qui s'est passé là. Ah, ok, y'avait les.
Ouais, c'est vrai que sans rewind, ça va être compliqué, les mecs, hein, putain. Ok. Voilà, rien du jeu est pas fou. Là, il y a même pas de parallaxe derrière. Alors, 94, je t'aurais dit le jeu, 91, 92, je te dis bon, ok, pourquoi pas. Et là, 94, t'as même pas un parallaxe derrière, hein. C'est quand même feignant, hein, niveau réel. Alors, bon, bien sûr, hein, ça fait une demi-heure. Attends, qu'on attend ta réponse, ouais. Ah, bah, mon fixo, ouais. Bah, oui, c'est pas. Toi, c'est. Oui, j'ai le téléphone, là, c'est pas évident, ouais. Musicalement, c'est aussi plat graphiquement. Ouais, c'est ça qui bouge, hein, franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf, graphiquement, là. Même la musique, ouais, c'est vrai, c'est ça. La musique, ça passe, mais elle est assez quelconque. Putain, je pareil. Voilà, je l'ai défoncé, le boss. Très bien, procédons. Alors, ah, il est là, j'y vais. Comme tu vas, mon j'y vais. Lundi, on sera le 15, les gars, hein, il me semble. Hein. Parce qu'il y avait, j'avais prévu un stream spécial avec, avec mon pote Yuan qui est photographe. À la Mega Drive et tout. Et donc lundi, voilà, je vais le recontacter ce week-end là. S'il est toujours partant, alors que ce soit sur mon PC réparé ou pas, ou même sur le PC à Nina, c'est pas grave, là, parce qu'on va le faire avec StreamYard, je pense. On va faire un stream, un petit stream souvenir de gamer, les gars. Souvenir de gamer, et je pense qu'on va commencer avec les RPG slash jeux d'aventure de la Mega Drive. Partager nos expériences, qu'est-ce qu'on a connu à l'époque, quels souvenirs on en a, tout ça. Je sais que Yuan, par exemple, c'est un fan de Lance Tucker. Donc voilà, il y aura peut-être ça lundi sur Twitch, les gars. Allez, je vous redis, les gars. J'attends une promo sur Stereden, ouais, c'est un shoot, ouais. Ah oui, il est cool, hein. Ah oui, Stereden, je vous le conseille, hein. Ouais, ouais. Alors, toc, toc, toc. Mega Drive, Shining Force, ouais. Ah bah oui, ouais, je les ai fait à l'époque, hein. J'ai fait les deux. Donc justement, ouais, si on confirme ça avec Yuan, ouais, on... évidemment, on en parlera. J'en ai fait quand même pas mal, hein. Merde, je me trompe d'écran là. J'en ai fait pas mal quand même, hein, des jeux d'aventure slash RPG sur Mega Drive. Ça me permettra de partager les souvenirs, les gars. Alors, Stereden, il est souvent en promo. Hein. Il est cool, hein. Je trouve qu'il est excellent. Ok, ça y est, je l'ai eu. Lance Tucker, attends, hop, je l'ai pas fini, faudrait que je le continue, ouais. Ouais. Alors, Dominique, salut Dominique. Grosse reco, Unicorn Overlord, juste génial, ouais. Ouais, ouais, moi j'en entends du bien. Hein. Après, moi c'est pas trop mon style, hein. Mais je crois que Greg il l'a fait. Hein. Nous sommes fratrie de 3 fers, on a eu de la chance d'avoir la NES, Mega Drive, SNES, PlayStation 1 et 2, Dreamcast, Gamecube, c'est cool, c'est. Ça t'as connu. Un max de cartes là pour le score. Bon, ben c'est bien, ouais. Je vais voir avec Yuan, ouais. Comme ça, on va confirmer. Ça va être cool. Ça fera un petit stream discussion autour de cela. Ce jeu, on trouve aussi sur PC Engine, ouais. Ouais, bah Alf il a mentionné que ça y était, hein, aussi sur PC Engine. C'est quoi Beat Firebird? Finissez le niveau 5. Très bien. Je sais pas combien il y a de niveaux du coup. Alors, Coton Mega Drive, il pique niveau prix. Ouais, bah ouais, ce qu'on a dit tout à l'heure, j'y vais. Le panorama Coton, il existe en jab, celui-là. Mais celui-là, je sais pas combien il coûte. En Super Famicom, là. Enfin, du coup, maintenant, on peut y jouer sur les consoles modernes. Et c'est vrai qu'ils auraient pu faire une compile. Hein. Franchement, ils auraient pu faire une compile, en vrai. Hein. Nous mettre, nous mettre les trois jeux, quoi. C'est-à-dire, le Coton Super Famicom, le Coton Mega Drive.
Drive et puis le coton de PC Engine, quoi. Ça aurait été cool. Hein. Bon, on va y voir ça. Alors, c'est pas le même sur PC Engine. Bah oui, bah justement. L'intérêt de nous avoir fait une petite compile, quoi. Non, mais à mon avis, genre celui-là, s'il marche un peu, ça se trouve, ils feront peut-être les autres après, quoi. Voilà, ils vont tous les vendre séparément pour au final nous les sortir en compile. Pigeon.com, les mecs. C'est radin, je crois. Ouais. Bah, ouais, faut surtout Cotton. Voilà, c'est tout pour oubliette, quoi. Ouais. Bah, là, on a vu, hein, y a quand même bon les options. Sur Scanline hein, qui sont quand même pas mal c'est vraiment réglable à volonté, donc ça c'est cool. Bon, y a le rewind, voilà, donc ça c'est le mode de jeu moderne hein. Finalement ils appellent ça standard. Sinon pour jouer au jeu original faut le mettre en mode défi le jeu, et c'est le jeu tel qu'il est sur Super Famicom a priori. Bon, on va essayer après vite fait là. On termine la partie là, mais ouais c'est assez par contre on a vu pire hein. On a vu pire comme portage, mais enfin c'est ouais, ils auraient pu faire, je sais pas, des artworks, je sais pas, enfin du contenu un peu additionnel, mais non, c'est vraiment le minimum syndical. Hein. Ouais, je finis le boss et je reprends le chat, les gars. Ok, procédons. Pixel perfect, c'est bien, ça réduit l'écran. Vite, je vois un coup. Hop, voilà. Donc, les ennemis pop. Juste en, tiens, je vais vous reprendre dans le chat, les gars. Pattern de boss sont très légers quand même. Ouais, ouais, non, mais on sent que c'est vraiment pas ouf comme jeu. Hein. Alors, Shining in the Darkness, ouais. Ouais, ouais, bah c'est un dungeon crawler, nana. Je l'ai là. Peut-être qu'il est devant moi, là. Il est peut-être sur mon mur Mega Drive, là. J'y ai rejoué il y a pas très longtemps en plus, ouais. Dungeon Crawler, ouais. Shining the Darkness, et puis il y a eu la suite sur Saturn, hein, le Shining the Holy Ark, toujours en Dungeon Crawler, hein. Qui est très bon, hein, franchement, il est excellent. Hein. Shining the Holy Ark, c'est vraiment super. Hein. Et donc c'est Shining Force, mais en mode Dungeon Crawler. Et franchement, il a super bien vieilli hein, pour la Saturn. La 3D, elle pique pas, elle est vraiment, elle est assez fine. Ça, c'est cool. Ah mais c'est quoi? Putain mais ces ennemis qui sortent de nulle part, c'est chips. C'est pas... Ah regardez, il y a un peu de distorsion les mecs dans le background, dans le fond là. Voilà, attends, j'étais en train de te lire nana. Merci le rewind. 10 balles le jeu, je viens de le voir. Ah le Shining in the Darkness ouais. Bah après ouais c'est du dungeon crawler, je sais pas, ça plaira pas forcément à tout le monde. Les Shining Force, oui, ça, les Shining Force. Ça code, c'est demandé, putain, ça rame, bordel. Et le Darkness, déjà, il est moins connu. Puis bon, Dungeon Crawler, ouais, ça attire moins de monde. Hein. Oh, mais merde! Est-ce que je vais récupérer le diamant? Je suis plus. Alors, ah, le coton, là, il a 10 balles là sur Xbox, d'accord. Ouais. Ce que c'est les mecs, moi je dirais 5 balles max hein, franchement. Voilà. Ah on a du mode 7. On a un boss qui est arrivé en dessous. Ah ouais, là, ah, ouais c'est okay, l'animation elle est pas mal. Hein. Ah j'ai envoyé des petites fées, ça m'a fait grand chose. Ah il fait quoi, c'est des œufs ça, c'est quoi ça? Ah merde. Ouais, parce qu'il y a l'espèce de vortex là au milieu de l'écran qui rame, merde. Il m'attire vers lui. Voilà. Ah, il change de couleur, donc ça veut dire qu'on bouge. C'est bien, c'est bon signe. Voilà comment ça rame de ouf. Ça rame de ouf. Là. Oula.
faire une magie là. Je pense que le jeu passerait mieux sa version originale sur le cathodique. Ouais, c'est probable, du coup, ouais, parce que là, franchement. Bon, après, ça empêche pas que c'est un peu mollasson quand même. Parce que là, sur une cathodique, enfin, les musiques, ça resterait toujours aussi OSEF. Graphiquement, peut-être les couleurs, ça changera un peu, mais. Ça empêche pas que. Enfin, le jeu, ouais, ça manque un peu de détails quand même. Enfin, pour du 94 sur Super, c'est chaud quand même. Je trouve que c'est chaud, les mecs. Ah, c'est, je l'ai eu là. J'ai déclenché une magie au même moment. Ok. Et bah, ben, c'est fini, apparemment. Attends. Petite taille. Voilà, c'est bon. Voilà, on ramasse les. Putain, ça va super vite là, les petites cartes là. Ok. Bon, ça y est, c'est fait. Alors. Si vous profitez du ex, ne regarde pas le chat pour manger. Marquer que bêtise, ouais, c'est la plus grosse bêtise, il a gagné une surprise. Ah ouais, parce que là sur téléphone, j'ai du mal à vous lire. Hein, c'est la. Je vais vous montrer. La fenêtre du chat, elle est comme ça, les mecs. Hein. Donc j'ai genre. 5 lignes qui s'affichent et c'est tout, tu vois. Bien. Bon, bah, niveau 6 torché, très bien. C'est bon. Ça manque de peps dans l'action. Ouais, je suis complètement d'accord, Nico. Ah ouais, la sensation d'impact des tirs, enfin, y'en a presque trop. Merde. Ouais, alors lui, d'accord, et son laser, il passe à travers le mur, au calme, tout va bien. Merde. Attends, mais c'est un bordel à l'écran, là. Voilà, ok, je l'avais pas vu venir dans lui. Les couleurs, elles sont vraiment mal choisies, c'est vraiment confus. Ouais, c'est vraiment assez. C'est vraiment assez confus, je trouve. Ok. Ouais, bon, c'est bon là. Je préfère à UN Squadron. Ouais, il est cool, hein, UN Squadron, il est bien. Oh, ouais, moi aussi, je préfère UN Squadron. Après, bon, c'est du shoot, mais c'est pas tout à fait pareil. Ah, je sais pas, on peut pas s'empêcher qu'il ait un peu plus du shoot quand même, ce coupon là. Alors, PC Engine, c'est sûrement mieux en 8 bits, et ça équivaut au 16 bits, ouais, ouais. J'ai relancé Burra Fighter NES Game Boy depuis ta vidéo. Bah, je préfère la version Game Boy, ouais. Ah ouais? Il est plus simple sur Game Boy, Harold ou pas là? Merde, je me souviens plus. Oh, mais putain de ta mère là, les. Voilà, c'est bon. Ouais, bah, je suis vraiment pas fan de ce coton. Ouais, alors attends, y'a le pep qui est tiré sur le film de la caméra, ça va. Il est passé doucement. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait, de mémoire, facile sur Game Boy. Review de Burai Fighter à sortir bientôt, les gars. Voilà, sur NES. Hein. La review de la version NES, j'en ai profité pour parler un petit peu de la version Game Boy que je possède aussi. C'est bien. Moi, je l'aime bien. Bon, alors, elle me fait quoi cette sorcière là? Merde. Merci le rewind. Voilà, très bien. Par contre, la Zik, j'ai plus accroché que toi. Ouais. Ah, bah écoute, tant mieux. Le Ray Fighter, je l'ai acheté en cartouche Game Boy, je crois. Ouais, ouais, il est bien. Hein, c'est un bon sort. Ok, alors. Ah, ça sent le dernier boss, les gars. Ça sent le dernier boss. On va faire une petite partie legit. Après, on va mettre le jeu en mode défi. Non, mais comment je suis censé éviter ça là? Attends, donc, ouais, voilà, faut que je passe derrière elle, faut le savoir. Par cœur. Ok, alors on apprend les patterns. Hein. Non mais attends, c'est quoi cette blague là? C'est toi Arty qui disait que le boss est le boss de fin était complètement pété?
meuf, faut que je reste en bas là. C'est abusé, franchement c'est abusé. Non mais c'est quoi ce boss? Oh c'est le boss de fin les gars, c'est sûr. J'imagine. Ah la bidule. Bide, non putain, oulala, attention là, oh ils me font. Ils font chier ces connards là. Bon alors attends, non non, ne passe pas dans le fil de la caméra petit peu. Oh les gars, ça va être irregardable là, je vais faire des rewinds de façon. Non mais je crois que je vais pas faire du rewind à. Arrêtez là les mecs, hein. Non mais regardez-moi ce dernier non mais ce dernier boss complètement pété quoi. Tu peux rien faire. Faudrait regarder un plaisir voir quoi. Où il faut. Là je vais le prendre. Voilà, tu peux pas l'esquiver. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On va arrêter là les gars. Non mais c'est... Ça y est, je l'ai eu là. Ok. Bon, j'ai perdu 3 vies là. On va pas faire... Non mais c'est... Moi je vois ça franchement. Enfin c'est... Voilà, c'est la wake. Crame toutes tes vies. Ouais, non mais ça y est, c'est fait là apparemment. Est-ce que le jeu est fini? On va voir ça. Je te remercie, ok. Ok, très bien. C'est le chat qui miaule, rewind. Ouais, c'est ça. Donc en casu, faut one live jusqu'à ce boss pourri, ouais. C'est un truc pour le fin. Ouais. Apparemment je peux pas passer tu vois. Je pense que c'est la fin les gars. Non mais le dernier boss est complètement fumé hein, franchement. C'est n'importe quoi. Ok, alors, on va lancer le jeu en mode défi, voir la gueule qu'il a. Et puis voilà quoi. Ça fera un petit stream d'une heure. On aura eu un aperçu du jeu, ouais, bon en ce qui me concerne. Voilà, après le stream, il va aller à la poubelle. Et puis voilà, quoi, c'est pas... Ouais. C'est vraiment pas ouf, je trouve. Une petite daube qui coûte bien cher, ouais. Ouah, daube, ouah, c'est peut-être un peu fort, le terme, vas-y, tiens, parce que bon... Je reste correct, mais enfin... Ouais, on est vraiment... Ouais, on est vraiment dans le bas du panier du shoot de la SNES. Hein. Loïc, déjà fini. Ouais, mais c'est grâce au rewind. Alors, bien, cette putain de fin, je peux pas la passer, là. Ah, ça y est, succès. Finissez le jeu, ça y est, c'est bon. Ouais, Pop and Twinbee, c'est mieux. Pour moi, c'est 11 sur 20, ouais. Je sais pas, est-ce qu'on a mis la moyenne, j'en sais rien. Enfin, ouais, au pire, c'est tout juste. Hein. Salut, Mister Bibou. Comment tu vas? Bon, bah, j'ai bien fait de pas l'acheter, merci pour le stream. Et bah voilà, Nana. Content de t'avoir fait économiser de la thune. T'as des jeux qui méritent. Hein, ça. Ou alors acheter pour une poignée d'euros, les gars. Voilà, une poignée d'euros en solde. Salut Kukishi! Comment tu vas? Voilà, j'étais cher. 3 balles. Voilà, 3 balles max. Bon staff, très bien. Est-ce que je peux passer tout ça, là? Je peux même rewind le générique. Non, c'est... Non, Mister Mibou, c'est la version Super Famicom. Bon, alors, super. Il y a Shmoutax, mais dans la caméra. Allez, dégage. Voilà. Voilà, tous les chats commencent à rôder comme des cons là parce que ouais, ça approche 18h, c'est l'heure où mes mères donnent à bouffer en général. Alors, stock. Le son est aigu, ouais. Ouais, mais c'est mon micro qui fait ça. Moi je vais faire quitter les mecs hein, parce que là, attends, quitter, vos progrès ne seront pas sauvegardés, vas-y, on s'en fout. Du coup, voilà, donc on va. Voilà, alors mode défi, voilà. Choisis ce mode si tu veux jouer au jeu sans adaptation moderne. Bon bah c'est parti. Option, voilà, vidéo, vitesse de rembobinage. Mais y a pas le rembobinage dans le moderne là. Vas-y, on va essayer quand même. Il est assez décevant ce coton de 100%. Ouais, je suis d'accord, Louis, hein. Franchement, c'est pas ouf. Bon bah là, j'ai un écran noir, les mecs. Super. Eh, le jeu il marche pas. Regardez les gars, il est cassé le jeu. Alors. C'est horrible d'appeler sa femme mémère, ouais. Auto. Non, elle aime bien. Elle aime bien. Ouais, regardez, le mode défi marche pas, les mecs. Non, arrête. Attends, redémarre. Je vais faire redémarrer le jeu. Les gars, y'a plus rien. Regardez, y'a plus rien. En plus, ça bug, mais ouais. Attends, quittez le jeu. Les gars.
Je relance là. Voilà, vous allez me revoir. Le jeu a crashé. Voilà, est-ce que vous me revoyez? C'est bon les gars, ça marche? Salut Mérode. Donc tu vois, Cotton 100%, j'ai acheté sur PS1 il y a 20 ans un super shoot. Putain, on vient de le finir, c'est pas ouf, hein, je trouve. Hein. Voilà, le défi c'est. Ouais, c'est bon, ça marche là. Le jeu a crashé. Regardez, le jeu a crashé. Le jeu a crashé, putain. Attends, bon, voilà, je remets le mode défi. Démarrer. Ça marche pas, les gars, ça marche pas. Attends, si, c'est bon là. Voilà, et c'est passé là. Ok. Plus de cam. Ah, ça, y a plus de cam là. Alors attends. Attendez, je vais aller dans l'option là. Alors. Gérer votre stream. Voilà. Ok. Alors attendez, la caméra, les mecs. Voilà, bah oui, ça a désactivé la caméra. Voilà, vous allez me revoir. Là. Normalement, c'est bon. Là. Voilà, confirmez-moi que c'est bon. Voilà, normalement, vous devez me voir. Là. Voilà. Tu l'as torché, c'est pour ça, ouais. T'as vu, ouais. Mais il y a le jeu, le son, pas ta cam. Voilà, ok. Normalement, c'est revenu. Jeu ok, cam ok. Voilà, super, les mecs. Très bien. Bon, allez, le son là. Alors attends, config. Voilà, j'appuie sur start, du coup. Ok, alors. Donc, normal, easy, mania. Hard, mania. On va se mettre en easy, allez. Faire ce dernier. Putain, mais là, la couleur, elle est dégueulasse. Regardez, on voit pas les. Shoot, machin, ok, très bien. Fade time, ouais, ok, bon, allez, vas-y. C'est bon. Voilà, bon, allez. Essayons ce mode. Le mode défi en facile. Voyons voir ce que ça donne. Ah, bah tiens, on va peut-être changer. Thunder, Fairy, Bubble. Dragon, bah du coup, Dragon, là. Thornton, Twinkle Star, Barrior. Ouais, je vais essayer ça, allez. Bon, allez. Ah, j'aurais peut-être dû mettre visual off, comme ça on aurait pu les cinématiques. Voilà, pas de rewind les gars, là. J'appuie sur le bouton, y'a rien. Voilà, très bien. On va peut-être faire un niveau ou alors un crédit, puis voilà, on arrêtera là. C'est bien, ça permet de voir en tout cas. Ça permet de voir. Ouais, mais je trouve que c'est pas génial. Hein. C'est pas génial. Et sur Neo Pocket, c'est pareil, mais il est complètement pété. Il vient complètement pété aussi sur Neo Pocket, mais il vient péter. C'est plus progressif, hein, c'est genre dès le niveau 2 ou 3, 4, ça y est, le jeu il t'agresse là. Tandis que là, c'est bon, je pense que c'est gérable, c'est surtout du par cœur. Dernier boss, mais c'est complètement fumé là. Alors, voilà, là on va tirer au sol. Ah, puis graphiquement, ouais, graphiquement j'aime pas. C'est les couleurs, c'est vraiment pas ouf. Alors, ouais, c'est bon, on tire au fond. Ok, on va s'échapper là. C'est culte au Japon. Ah ouais, bah oui, c'est une série comme Cotton. C'est vrai que chez vous, c'est lesquels Cotton qui sont sortis en pâle? Bon, on a celui de la Neo Pocket. Il a pas été très bien distribué, certes. Au moins, il est sorti. Oh nom de Dieu, encore ces putains de chats là! Bah franchement, j'ai pas trop suivi le truc. Hein, voilà, bah sur le principe, c'est bien, hein, évidemment. Mais après, j'ai pas suivi, hein, franchement. Voilà, donc, pas, si j'ai le temps, je passerai peut-être sur le live à Biggie ce soir. Si... voir un peu de quoi ça retourne. Quoi. Mais je suis ça d'assez loin, les gars. Alors, moi, petit détail dans les Cotton, à la fin de chaîne, faut pas prendre les sachets T qui tombent du ciel pour avoir un bonus de points supplémentaires. Ah ouais? Putain. Le vrai défi, c'est de surveiller les chats, c'est ça. C'est ça. Que ce soit quand même mythe, ouais, mais là, c'est la compo, je la trouve aux effets. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est assez moyen, là, non. Ouais, on va juste terminer ce premier niveau. Et puis ça conclura ce petit stream, les enfants. Du coup, après, bah, je vous donnerai rendez-vous demain, sur YouTube, à 17h, comme samedi dernier. Pour le stream versus Mickey Castle of Illusion. Mega Drive ou Master System. Quelle version vous allez préférer, j'ai hâte de voir ça. Les jeux sont excellents bien sûr, hein, mais là ça va être surtout le stream nostalgie, hein, je pense. Hein. Je l'ai appris dans la même de Netageo, ouais. Bah, il fait toujours des lives, en fait, Netageo, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Après c'est vrai qu'il est au Japon, hein, les heures sont pas les mêmes peut-être. Alors, ouais c'est le premier boss, ça je crois.
là. Parce que j'ai de la magie là. Ça fait quoi là? Je peux plus tirer là. Ok, super. Bien, alors. Alors, vas-y, vite. Ouais, c'est surtout du parkour. Parodius, il met 100-0 à côté. Ah, ouais. Alors, je suis pas non plus trop fan du Parodius Super NES, mais ouais, il est vachement mieux. Parodius Super NES, je... Très occupé par son boulot d'étagéo. D'accord. Ok. Ah, mais merde, t'avais dit de pas ramasser les bonus. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, les gars, voilà. Toc, allez, on fait pause. Puis bon, on arrêtera là. Moi, j'en ai vu assez. De ce petit coton. Bon, bah, les gars, voilà. Ça vous a fait une idée, un aperçu. On a fait un petit stream d'une heure. Voilà. Dans le psychologue, je préfère Parodius. Ouais, pareil, hein, Nikuman, pareil. Netageo, magnifique chaîne. Ouais, hein, très, très cool, hein, la scène. La chaîne de Netageo, bien sûr, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, hein, on lui fait des bisous, bien évidemment. Coton surcoté, ouais. Ouais, alors moi, déjà, comme je disais, hein, je suis pas trop fan des shoots avec sorcière sur balai. Hein. Moi, j'ai le Coton, Neo Pocket, et puis le suis sur Mega CD, bon, je les aime bien. Mais... Enfin, Mega CD, c'est Caillou Flying Squadron. Hein. Mais voilà, je suis pas un fan absolu. Un bon moment de partage, voilà, c'est ça. Bah, comme ça, on sait de quoi il en retourne, les gars, hein. Voilà. Bien, moi, pendant une heure, je t'ai écouté, j'étais en train de jardiner, donc c'était cool. Et bah, c'est cool, mon fixo. Voilà, Onimusha, merci pour ce stream. Bonsoir, les bolosses. Et bah, voilà, les gars. Onimusha, le mot de la fin. Je préfère Cloud Master. Ouais, pareil, hein. Cloud Master, c'est plus cool aussi. Bah, les gars, sur ce, bisous à tous. Passez une bonne soirée. Et puis, rendez-vous demain sur YouTube à 17h pour le petit stream versus Mickey, Castle of Illusion, Master System, Mega Drive. Quelle version vous préférez? Ça sera à vous de décider. Bonne app, bonne soirée, et puis comme d'hab, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.